Ah, voilà. Cette jolie petite jupe. Merde. Oh non. Tout pareil. Tout a commencé ce matin. Par une engueulade avec mon mari au sujet de la façon dont nous avions fait l'amour la veille. Enfin, dont nous avions fait l'amour. Façon de parler, hein. Dont il avait fait l'amour, lui. Voyons un peu comment je peux m'habiller. Rayures, à pois, à losanges, à petits carreaux. L'histoire a commencé le jour où j'ai chassé mon mari de la maison. Je lui ai dit, va-t'en. Alors, faut bien faire attention quand on leur dit va-t'en. Parce qu'ils s'en vont. 50 ? Qui sont ces étrangers assis autour de ma table ? J'ai avalé le ténia. Je me suis imposé un régime de fakir. Eh ben vous me branlez si vous voulez, le ténia est mort de faim et moi j'ai continué à engraisser. Année 50. Dieu que j'aime l'odeur de mon mari ce soir. Quelle journée! Cet après-midi avec Oreste, ce soir avec mon mari, des amours à répétition sans reprendre mon souffle. C'est décidé, demain je me mets à boire comme une folle. Année 50? C'était faire accompagner chez toi par un étranger? Maman, un médecin n'est jamais un étranger. Il m'avait examiné. Et tu l'as fait monter aussi peut-être? Il m'avait vue toute nue. Toute nue pour une commotion cérébrale? Mais il t'a mis où les années de crode? Sur le cul! Parce que c'est là que ton cerveau! Non, non. Un bisou. Je sais que je devrais être folle de joie, mais je me sens coupable comme la pire des criminels. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Je suis en train de profiter comme la plus sourde des hypocrites, de l'angoisse et des frustrations dans lesquelles les gens sont empêtrés. Moi y compris! Oh là là, Mathieu, mais tu me brûles le crâne avec tes conneries! Ils ne restent ensemble que pour les enfants. Ils en ont trois. Oh, dis donc. Quelqu'un qui s'est marié contre un forcé, t'as trois enfants, mais t'as l'esprit de sacrifice, hein? Mais ils vivent comme frères et sœurs. Ah, c'est ça, mange. Non, non.